Alain a beau être éleveur de veaux et de volailles, il n'est pas du genre à ménager la chèvre et le chou. Alors qu'il a décidé d'emmener trois soupirants sur son exploitation, l'agriculteur a très vite ressenti une forte attraction pour l'entreprenant Alain, qu'il a même fini par embrasser. Pas vraiment fier, il avait ensuite expliqué aux équipes de Data Link People égale à 92 2F 1 4 9 49e 7 B 10 C 4 B 824 C D 1 C 7 E A Karine le marchand avoir agi sur un coup de tête. J'ai embrassé Alain parce que j'ai une attirance vis-à-vis de lui. Je suis un peu comme ça. Je m'emballe. Forcément, ça donne de l'espoir aux gens, je sais que ce n'est pas intelligent. A-t-il reconnu, préférant prendre ses distances pour apprendre à connaître son autre prétendant encore en lice, l'émotif Jean-Noël. Mais, comme le révèle l'épisode diffusé le 10 octobre prochain, est déjà disponible sur Salto. Ce triangle amoureux va s'écharper lors d'une sortie au restaurant en raison de différends sur le programme du lendemain. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Alain, conscient que la situation ne pouvait durer plus longtemps. Le lendemain, celui qui s'est retrouvé sans toit après un terrible incendie a ainsi convié Jean-Noël pour lui expliquer qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'aventure avec lui. « J'ai l'impression qu'on est très copains, ce n'est pas ce que je recherche. Virgule, je t'adore, mais voilà, lui avoue-t-il, avec des gants mais aussi des trémolos dans la voix. Et de poursuivre, je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi. Tu mérites vraiment autre chose. Tu es quelqu'un de trop bien. Pourtant, comme il a ensuite précisé à son homonyme, Alain n'est pas tout à fait certain d'avoir pris la bonne décision. J'hésite. Je te trouve un peu raide parfois, je ne suis pas sûr de moi du tout. Je vais te donner ta chance. Parce que je crois que tu seras différent, avoue-t-il, faisant part de ses doutes à l'heureux élu. Qui devra changer de comportement maintenant qu'il est seul à la ferme.